je conçois que le machinima vous a pas mal chamboulé mais avant il faut que je vous parle d'instant gaming comme tous les mois j'organise un concours avec eux pour gagner le jeu de votre choix mais pour ceux qui savent pas ce que c'est instant gaming je vous explique en vraiment quelques secondes instant gaming c'est un site où tu pourras retrouver tous les jeux de ton choix beaucoup moins cher il y a des jeux de playstation de pc de xbox et même de switch personnellement c'est là que j'ai acheté toute ma collection de sims 4 il faut savoir que le jeu de base les sims 4 coûte aux alentours de 4-5 euros donc autant dire que ça vaut rien du tout il y a même toute la collection des sims 3 si vous êtes un peu plus rétro à des prix vraiment dérisoires ce qui est trop cool aussi c'est qu'on peut pré les sorties prochaines donc je pense par exemple au pack loup-garou des sims 4 et même la précommande sera moins chère que sur les autres plateformes donc vraiment foncez comme tous les mois comme je vous l'ai dit j'organise un concours avec eux pour gagner le jeu de votre choix pour participer rien de plus simple tu cliques dans le lien sur la description tu écris le jeu que tu souhaiterais gagner tu cliques sur participer et dans 30 jours si tu es l'euro gagnant tu recevras un mail avec ta clé de jeu donc n'oubliez pas de participer dans le lien dans la description c'est gratuit vous inquiétez pas le site est fiable je ferai pas la pub de quelque chose qui n'est pas fiable de toute façon je ne suis pas une influenceuse de télé réalité voilà c'est tout pour moi. Donc comme vous avez pu le voir, Chuck a rendu visite à son papa qui est actuellement emprisonné. Ça ne s'est pas très bien passé entre eux puisque bah écoutez Chuck lui a avoué qu'il n'avait pas réussi à cambrioler cette maison et figurez-vous que c'est pas la première fois qu'il essaie de cambrioler une maison et qu'il n'y arrive pas. Ce qu'il faut savoir également c'est que le père de Chuck était un grand cambrioleur professionnel, c'est pour ça qu'il est en prison et qu'il aurait aimé transmettre ça à son fils sauf que bah ça marche pas du tout, genre Chuck n'arrive vraiment pas, c'est pas du tout dans ses capacités. Donc le père de Chuck s'est mis en colère et lui a expliqué que avant il avait une recrue du même âge que Chuck qui était beaucoup plus efficace. Et dans ces flashbacks, on a pu voir que cette recrue, c'était Steffi, donc la mère de Lola. Lola n'est toujours pas au courant que Chuck essaye de cambrioler des maisons, etc. pour faire plaisir à son père. Et Steffi, quand vous l'avez vu, s'est posée, elle n'est plus du tout dans le cambriolage, etc. Elle a fait 2-3 petits vols par-ci par-là, mais elle n'est plus dans l'organisation du papa de Chuck. De toute façon, il est emprisonné, il ne peut plus rien faire. Donc, on va voir comment tout se passe, etc. au fur et à mesure du let's play. Mais maintenant, vous avez les bases. Steffi, la mère de Lola, a déjà travaillé pour le papa de Chuck qui est emprisonné. Pourquoi elle n'est pas en prison et lui, oui. Ça, vous le découvrirez très bientôt. Maintenant, on va jouer. Ok, il faut savoir que là, c'est la grosse merde à des cacahuètes. On n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau parce que, bah écoutez, on n'a pas payé les factures d'eau, tout simplement. On va payer les factures qui valent 115 et on va pouvoir aller se laver tranquillement parce que là, c'est pas possible. En plus, elle est enragée, genre vraiment, <laughs> ça va pas du tout. Chuck, il a raté son cambriolage, il a rendu visite à son père, du coup, il est pas de très, très bonne humeur. Euh, va nettoyer ça, cocotier, s'il te plaît. Voilà, il va faire un petit peu de ménage. Lola, elle prend son bain tranquillement et Chuck du coup bah, il cache des trucs à Lola. genre il lui explique pas que c'est un cambrioleur etc d'ailleurs j'ai installé un mode cambriolage qui se trouve d'ailleurs ici et c'est en récompense voilà on peut l'acheter au bout de 5000 points de satisfaction ce qui fait du coup que là c'est un cambrioleur et du coup il peut cambrioler les maisons etc comme vu précédemment dans euh, l'ancien machinima donc du premier épisode et c'est également une compétence qui pourra euh, bah, faire évoluer sauf que là vous l'avez vu il est vraiment nul en cambriolage pour le moment ok on a tout nettoyé oh elle est toujours en colère L'eau est là, calme-toi. On va aller récolter nos petites plantes. On va les vendre plutôt. Ça nous fait pas énormément d'argent, mais bon, ça va. J'ai écouté vos conseils aussi, j'ai acheté une glacière et j'ai acheté une tente pour qu'il puisse dormir. C'est vrai que ça fait plus réaliste. On va aller la faire se calmer dans la tente parce que franchement, <laughs> elle est vraiment très en colère. Bon, je lui ai fait aller lire un magazine comme ça, ça va monter son divertissement. Euh, Chuck, euh, toi tu vas aller prendre une douche parce que là tu pokes du derche, En plus, il va falloir qu'on aille peut-être euh, cambrioler une maison avec Chuck pour essayer, bah, écoutez, de de voler des objets. Je pense que ça, on essaiera de le faire dans la nuit parce que si on y va en plein jour déjà, bah, les gens seront réveillés et puis ça va mettre le doute à Lola. Oh là là, elle est vraiment très en colère, hein. elle est relou. Hein. Manger un repas rapide, bah va manger du muesli. Allez, ça rend aimable, pas du tout. C'est les carottes qui rendent aimable, mais t'es trop pauvre pour en manger. Alors dépêche-toi. Non mais comment tu marches Mais ça va pas, ma pauvre. Hein. Non mais regardez là ça démarche là. Moi, elle me fait peur, hein. Elle me fait très peur, hein. Chuck, méfie-toi. <laughs> bon, je pense qu'on va laisser Chuck tranquille aujourd'hui. Euh, on va aller peut-être euh, vers Evergreen Harbor pour aller fouiller les poubelles. Euh, j'ai toujours l'espoir de trouver un, as un aspirateur. N'importe quoi Un ordinateur dans les poubelles. Ce serait vraiment incroyable. Comme ça, au moins, on aurait, euh, allez, 1000 sims plus d'un coup. Ce serait déjà énorme pour nous. Je vous rappelle que le but, c'est pas de vivre tout le temps dans ce squat, hein. Faudrait peut-être les faire déménager un jour. <laughs> ok, où sont les bennes à ordures On va aller fouiller dedans. Oh Est-ce que j'ai des trucs à mettre à la poubelle pour qu'elle soit remplie. Yes. Oh là 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 là. Je suis trop forte. <laughs> <laughs> je m'envoie pas trop des fleurs, ça va. Bon, je vais mettre ça à la poubelle. Ça aussi, à... je ne peux pas. Ok, les devoirs non plus. Bon, bah super. Chercher des trouvailles, on va le faire trois fois puisque c'est le maximum qu'on puisse faire quand on a jeté quelque chose. J'aimerais tellement, tellement, tellement trouver un ordinateur ou je sais pas, genre une baignoire. Enfin, un truc qui vaille un petit peu plus cher. C'était plus simple avec Steffi quand elle volait des objets. Ça, c'était sûr. Mais là, bon, on n'a pas trop le choix. Elle a trouvé une faucheuse médiévale. Bon, ça, c'est pas terrible. Non, trois chose, c'est tout. Non, mais ça va être galère là. Ça va être très, très galère. Hein. Là-bas, il y a une mais elle est vide. Oh là 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 là. là. Comment on va faire Comment on va faire Ah c'est bon, l'autre elle s'est remplie. On va pouvoir aller fouiller. Il y a Maddy qui nous appelle. Donc la deuxième maman de de Lola. Qu'est-ce qu'elle veut Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Eh quoi Mais attends, Stéphie, elle va avoir un bébé. Maddy, elle va avoir un bébé. C'est quoi ça Je vais avoir deux demi-sœurs <laughs> Ok, pas de souci. On en a envie, mais on n'est pas sûr. C'est une énorme responsabilité. Bah oui. <laughs> à tel point que tu m'as laissé. Hein, tu t'es même pas battu pour ma garde, mais. Tranquille, fais un bébé, fais un bébé, ça fera, ça fera de l'action. Genre Lola, elle, elle, fait sa vie, elle s'envole, elle s'envole. Non, elle s'envole pas. Elle prend son envol. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Steffi, et dit, elles font un bébé de leur, dans leur coin comme ça. Moi, je vais avoir des demi-sœurs, je vais rien comprendre. D'ailleurs, c'est peut-être déjà fait. Je vais aller voir dans notre arbre généalogique. Non, c'est bon, on est toujours la seule fille de Steffi et la seule fille de Maddie. Ok. On a trouvé ça, mais c'est un vieux, euh, vieux toilette. Ça sert à rien. Ah, oh, je suis désespérée là. Je suis désespérée vraiment. Je suis. Ah, je suis pas contente. Ah, mais elle travaille dans une heure. Oh, mais elle va sentir le rat c'est pas possible. Bon, allez, elle va partir au travail. Euh, écoutez, on va prendre le contrôle de Chuck et il va préparer un petit peu son cambriolage. En espérant que ça se passe mieux que la dernière fois. Hein, parce que la dernière fois, on a failli euh, finir en garde-ave. Mais bon, il s'est enfui, donc ça va. Bon, il va commencer par aller se refaire une beauté. Voilà, il va se préparer un petit peu. Parce que Lola, elle termine le travail à quelle heure déjà euh, À 22h. Donc, ouais, ça va. Faut qu'à 22h, Chuck, il soit rentré par contre. Hein. Donc, on va faire une petite sieste. Je pense qu'il faut qu'il ait un bon état d'esprit avant de cambrioler. Sinon, ça va pas trop marcher. Et là, il est embarrassé parce qu'il s'est vu dans le miroir. Apparemment, il s'est pas trouvé euh, trouvé à son goût. Donc, euh, super. On s'en fout, en fait. Allez, il reste 33 minutes d'embarrassement. Après, on pourra y aller. Oh on sera jamais rentré à l'heure. C'est une catastrophe. Bon, au pire, Lola, euh, elle sera tellement fatiguée qu'elle captera rien. Hein. Oh non, mais il faut qu'on parte. Oh non, elle est là. Elle est là. Euh, bon, écoutez. On va lui faire un bisou, elle est où <laughs> Et on va partir. Voilà, on va aller l'embrasser. Et elle, bon écoutez, elle va aller dormir, elle est tellement crevée qu'elle va même pas calculer où va Chuck, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc nous, avec Chuck, on va aller cambrioler une maison. Alors je sais pas laquelle on va cambrioler pour le moment, mais je pense qu'il faut quand même qu'on cambriole des maisons euh, où il y a de la tounasse, tu vois, parce que sinon ça ne sert à rien. La dernière fois j'avais essayé de cambrioler celle-là, mais ça s'est très mal passé. Je pense qu'on va aller chez les aux Oasis, vraiment. On va essayer. Ok, nous voilà chez les pleines Oasis. Euh, on va essayer de rentrer par effraction. Apparemment ils dorment. Ah non, il y a un lit qui est vide là. Oh, ah non, il est là. Oh mon dieu. Ah, il fait du tapis de course. Il va pas m'entendre si ça se trouve. Bon, on va essayer de rentrer par effraction. What? 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 Mais what? Mais what? Mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, what? Mais attendez, ça m'est jamais arrivé dans les Sims, ça m'arrive avec vous, je suis trop émue. Mais regardez! Mais. Oh bah alors là, on peut rentrer par effraction comme on veut, hein. Euh, attends, son mec, il a même pas capté que sa meuf, elle se faisait embarquer par les ovnis. Euh, il va pas nous capter, nous, qu'on est en train d'entrer de, par effraction. Je suis choquée, je suis choquée. C'est un échec, la porte est toujours fermée. <laughs> Encore un échec, franchement, tu pues du cul! Non, mais pourquoi il n'y arrive pas? Il va, nous entendre, le... il va nous entendre, le mec, il va nous entendre. Je vais réessayer plein de fois, mais je crois qu'il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, il est très tendu. Mais il est pourri du cul, ce chacun, hein. c'est pas possible. Oh Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue? Alors, ça va? Elle a l'air un peu dans le mal. Hein. Bon, non, on crochette ta serrure, mais t'inquiète, ça va. Ouais, bon, il n'y arrive pas. Il est teubé. J'ai envie de lui en foutre une. On va aller dans une maison un peu plus modeste. Il va peut-être mieux y arriver. Je crains que le père de Tchèque ne soit pas content. C'est quoi ce voleur en. En bois, là, en carton même. Attends, tu vas aller voler peut-être ici. Genre, tu vas pas me dire que là c'est trop grand. Tu vas réussir, Chuck, ok On croit en toi. Les viewers croient en toi. Dites dans les commentaires, je crois en Chuck. <laughs> Vraiment, il faut l'encourager, là. Il est nul. Personne dort. Comme par hasard, va dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait Il est sur l'ordi. On va essayer d'entrer par effraction. On va le, le regarder. Ok, il est là. Il est là. Il est là. Il bouge pas. Ok, on va y arriver. On va y arriver, les gars. Tout va bien aller. Qu'est-ce qu'il a Pris la main dans le sac Quoi Encore Oh non, mais c'est pas possible. Et voilà, et voilà la bagarre. Non, mais Chuck, t'es nul. T'es pourri. Non, mais. Pff. Ah, il court, il court. Bah oui, cours court. Hein. Cours. Oh, c'est beau ce parc. Cours, cours, cours. <laughs> oh là là, je vous jure, on a un bras cassé de copains. C'est pas possible. Hein. En même temps, ça rentre bien dans l'histoire. Hein. Euh, le père de Chuck, il est en colère. Quoi Quoi en état d'arrestation Pas de chance, les propriétaires ont appelé la police et celle-ci a attrapé Chuck alors qu'il tentait de s'enfuir au coin de la rue. Chuck s'est donc fait arrêter pour cambriolage. Pardon 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 oh Il est en état d'arrestation il... C'est une blague <laughs> Il est en prison Mais non Ça dure combien de temps Ouais, ça va durer peut-être une journée. Non, mais sérieux, ça va pas bien, hein Non, mais qu'est-ce qu'il va raconter à Lola C'est pas possible, son travail commence dans une heure. Bah ouais, bah, bah, mais il est en prison il peut pas être en prison et travailler ça ça, ça marche pas. <laughs> non mais il y a son pote qui lui demande de venir passer chez lui, il est en prison ton ami, il est en prison. Comment tu veux qu'il vienne chez toi T'es teubé ou déjà ton prénom Coleman, euh, c'est pas c'est pas hyper euh... Bah, c'est pas hyper courant, quoi. Alors en plus, si t'as deux neurones, ça va pas. Hein. Bon, bah Lola, écoutez, elle va aller prendre un bain, elle va euh, aller aux toilettes. Et ce qui serait bien, c'est qu'elle appelle peut-être Chuck, hein, pour euh, savoir où il est, parce que pour le moment, elle doit se demander où il est. Après, il commençait le travail dans une heure, donc elle doit penser qu'il est au travail. Mais elle va quand même l'appeler, elle va lui dire, ouais, t'es pas rentré cette nuit, t'étais où Bon, et là, on peut envisager euh, qu'il lui, qu lui, mente, hein, parce que il va pas lui dire la vérité. Il va dire que il a dormi chez Coleman <laughs> et euh, que voilà, il allait au travail par la suite. Bon, Lola va aller manger. Elle dans sa tête, bah écoutez, son, son petit copain et tout simplement euh, bah son travail, hein. il a dormi chez Coleman, on va aller vendre ça après, pourquoi je peux pas Parce qu'elle est mal à l'aise, oh t'inquiète, après des petites tirées, elle va plus se sentir mal à l'aise, ah bah si, elle est toujours mal à l'aise, <laughs> super, bon bah je pense qu'elle va aller se détendre, elle va aller lire un magazine et aujourd'hui on va aller rendre visite à ses deux mamans, voilà, allez, va tout vendre et ensuite on ira euh, rendre visite, par contre avant d'y aller, j'aimerais bien voir s'il y a des choses à déraciner, etc. Genre ça c'est quoi tout récolter, ouais. Là-bas, il y a quoi déjà Là aussi, on peut récolter des choses. Et là, on peut creuser. Ok. Oh, regardez qui c'est C'est Maddy Maddy est là C'est assez rare qu'elle soit dans le coin, du coup on ira lui parler par la suite. Mais les récoltes passent avant tout, donc on va aller creuser, etc. <laughs> oh non, elle a la varicelle C'est une blague Ah bah, Maddy est partie, elle a pas voulu nous parler. Bon bah super, vraiment génial. Euh, Maddy, une mère incroyable. Appel d'un mur inconnu. Ils arrivent bientôt, réfléchissez bien avant d'ouvrir la porte. Qui a l'appareil Haha, c'était une farce. Trop drôle. Franchement, trop drôle. Euh, Inscris-toi au Jamel Comedy Club. Tu feras un carton. Vraiment. Bon, en plus, là, elle est malade. j'aurais moi, elle a la varicelle. Pff, ça va pas du tout. Je pense qu'elle va aller euh, chez Stéphie. Attendez. D'abord, je vais vendre ce qu'elle avait trouvé dans les poubelles. Hein. Voyons. Donc, ça, c'est quoi Petit jardin zen et tranquille. Ok. Représentation de camembert. C'est quoi ça Récompense Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi j'ai ça Je comprends pas. Bon, bah, vas-y. J'ai jamais été de Ah, ça a été volé. Mais qui c'est qui l'a volé je comprends pas. Et le lavabo 135. Ok, bah nickel, on a 2000 les gars, c'est quand même bien. Bon, et là par contre, on va aller rendre visite à Stéphie. Ah, mais j'ai pas eu le temps d'y aller, parce qu'elle a le travail. Oh mince. Ah, Chuck est revenu par contre. Et tout ce que tu trouves à faire en revenant de prison, c'est danser. Je... Je sais pas quoi faire de lui. Vraiment, il me fatigue. Genre, il rentre de prison, il danse tout va bien. Bon je pense que cette nuit il va retenter de cambrioler une maison parce que là vraiment il faut qu'on arrive au bout d'un moment à cambrioler une maison enfin je veux dire euh, c'est vraiment ridicule sinon. Bon Lola elle est rentrée du travail, elle va aller dormir mais on commence quand même à avoir pas mal de petits sous-sous. Bon Chuck réveille-toi, ok let's go. Oubliez ce quartier pour cambrioler parce que c'est trop compliqué, on va aller à Willow Creek, très très simple et on va essayer d'aller cambrioler une petite maison, genre pourquoi pas celle des pancakes c'est parti. Enfin petite, elle est pas très petite hein, mais je veux dire pas une maison en mode luxe et tout parce que peut-être que c'est plus compliqué je sais pas. Et ouais, ça me semblerait grave logique en fait. Une grande grande maison, ça doit être plus compliqué à crocheter et tout. Non mais il est juste là. Ça va être trop compliqué. Oh bon, on va essayer. Il nous entend pas pour le moment. Tout va bien. Ah, il s'est endormi. Il s'est endormi. Non 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 euh, pars pars dépêche-toi 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 non non Ok <laughs> on a refailli se faire arrêter les gars je j'ai trop peur J'ai trop peur Oh on va aller là je crois qu'il y a personne Elle est pas chez elle Eh ça me donne des sueurs froides, ce let's play hein. Vraiment je... je suis au bout de la syncope hein. Non mais elle est juste là Je croyais qu'elle était pas là C'est une blague Bah regarde la télé On va peut-être pouvoir entrer par effraction Elle est allée se coucher Elle est allée se coucher Pfff. Elle est là elle est là elle est là Cours 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 Non 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 Ouais wow, j'espère qu'il s'est pas fait renvoyer en prison parce que là Lola elle va rien comprendre elle va être là en mode Mais qu'est-ce que tu fais Genre tu es un cocotier des îles Oh purée non Lola pourquoi tu danses Il est une heure du bar tu Va dormir, va dormir tu m'énerves Et hey, ce foyer c'est pas possible hein. Mais vraiment ça va trop bien dans l'histoire parce que là Chuck il essaye, il essaye mais il n'y arrive pas il n'arrive pas parce que bah il est nul tout simplement. Oh, C'est l'automne, genre comment on va faire pour vivre Ça va être très 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 compliqué, sachant que là euh, l'automne il va faire froid, il va pleuvoir. Faut absolument qu'on essaye de se trouver une petite maison, au moins une caravane, genre et qu'on déménage. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Surtout si Chuck n'arrive pas à cambrioler. Ça va être très compliqué. Je peux pas envoyer Lola systématiquement fouiller dans les poubelles, quoi. Bon, là par contre, on va aller chez ses mamans pour l'expliquer, voilà, qu'on trouve ça bizarre que Chuck il est jamais là et tout. Et surtout pour aller se divertir parce qu'elle manque beaucoup de divertissement. Oh non, elle a cassé le. Oh non! Mais c'est pas vrai, y'a rien qui va aujourd'hui. Allez, go à Windenburg, chez nos mamans, let's go! Bon, on va frapper à la porte, on va pas rentrer par effraction, hein, comme Chuck essayait de le faire, mais qu'il n'y arrive pas. Là, on est chez nos mamans, y a pas de soucis. Bon, on va un petit peu aller papoter avec Clémence, ça fait tellement du bien de voir une maison normale et non un squat. Ah voilà, ils se font la bise, tout va bien. On va un petit peu aller jouer avec notre petit chat préféré, il est trop mignon! Euh, on va jouer avec lui au laser, comme ça, ça va remonter notre divertissement. Oh Stéphie! Stéphie, elle est enceinte! Stéphie est enceinte, les gars! Oh non, je hurle, c'est trop mignon! Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas adopté, ils ont fait euh, ils ont fait appel à un donneur ou où... oh là là, c'est trop bien! C'est trop trop bien, Stéphie enceinte! Je hurle! Demandez à toucher le bébé, demandez la date prévue de l'accouchement. Donc Lola va avoir une petite soeur, trop mignon! Bon, le divertissement, il est tout remonté avec Tiff, ça c'est nickel! Bon, voyons ce que nous dit Stéphie. Alors. Oh, trop mignon Regardez, euh, Clémence, tu gâches tout, là. Mais non, mais tu gâches tout Mais elle est relou, Clémence Donc là, ça prouve bien que Stéphie, elle s'est vraiment rangée et tout. Genre, euh... ah ben non, elle parle de thune. Super, Stéphie Je dis que tu t'es rangée et tout, et tu parles de thune à ta fille. Non, mais... Non, mais en gros, voilà, elle s'est vraiment rangée. Elle a une belle maison. Bon, ça a été fait avec l'argent des cambriolages. Mais voilà, elle est rangée et elle veut plus rien avoir avec, euh, bah, avec tout ce qui est vol, etc. Quoi. Se plaindre de sa vie amoureuse. Bah ouais, Chuck, il est jamais là. Euh, il nous ment. Enfin, on comprend pas trop. Bon, on va lui faire un câlin. Ah, trop mignon, trop mignon. Et je pense qu'on va un peu l'aider pour tout ce qui est tâches ménagères. Comme elle est enceinte, on va un petit peu nettoyer la litière du chat, etc. Bon, on va lui faire la lessive aussi pour l'aider. Comme ça, au moins, elle aura moins de tâches à faire. Ça va être beaucoup mieux pour elle. Voilà. On va mettre ça en route, laver le linge, nickel. Et ça aussi, on va le remplir, ça me fait trop de la peine sinon. Voilà! Ah Chuck est rentré du travail apparemment. Allez, on va retourner à la maison pour voir Chuck. On va un petit peu voir euh, bah, ce qu'il nous dit. Euh, on va voir s'il nous ment surtout. Je pense qu'on va peut-être provoquer une petite dispute pour que ça fasse un peu plus RP parce que là vraiment, enfin, on comprend pas ce qu'il fait en fait. Genre euh, il dit qu'il est au travail, euh, mais en fait il rentre pas la nuit. Enfin trop chelou ce Chuck. Surtout que et il s'absente pour faire des cambriolages ratés. Genre vraiment il y a rien qui va. Ok, il est où ce Chuck Il est là, est toujours en train de danser. Bon au lieu de danser à Lambada, là tu veux pas euh, venir nous parler Partager ses incertitudes, vie de couple. Non, on n'est quand même pas jusqu'à la séparation. Quand même pas. Faire pression pour obliger à rentrer dans le moule, ça c'est bien. En gros, ouais, t'es trop bizarre. Euh, Est-ce que tu veux pas te poser un peu, au lieu de bouger toute la nuit et tout, je sais pas ce que tu fais. Vas-y, on va mettre ça. Ah, Maddie qui nous appelle en pleine dispute. Ok. Oh, elle veut encore faire un bébé. Mais tu veux combien de bébés, genre Elle veut monter une équipe de foot, je crois. Ça veut dire que Maddie, elle va être enceinte. Et peut-être que sa copine aussi. Oula, ça va faire beaucoup de bébés, Là, je suis perdue, hein, je vous avoue. Bon, on va un petit peu s'excuser, de s'être énervé, etc. Mais qu'est-ce qu'elle qu qu veut encore, Maddie Ah, elle veut que je vienne chez elle. Bah écoutez, on va emmener Chuck avec nous. Et on va aller chez Maddie. Et euh, sa nouvelle compagne. Écoutez, on va voir. Euh, on va un peu plus la connaître. Parce qu'au final, on la connaît pas tant que ça, sa nouvelle compagne. Bah non, il n'y en a aucune des deux qui est enceinte. Trop bizarre. Bon, on va un petit peu se présenter respectueusement. Chuck aussi va se présenter respectueusement. Voilà, on va un petit peu rencontrer la nouvelle. Euh la nouvelle compagne de notre mère va se renseigner sur la carrière, déjà elle s'appelle Kate, voilà, <laughs> genre ça euh, on le savait pas déjà, ah Kate est sans emploi comme euh, la moitié des PNJ dans les Sims 4, voilà c'est super <laughs> je pense que je vais acheter euh, le trait euh, toujours bienvenu comme ça je vais pouvoir faire à manger etc chez n'importe qui, parce que si j'avais pas ce trait euh, elle me dirait ouais c'est inapproprié arrête parce que les Sims 4 euh, ne veulent pas qu'on cuisine chez eux, donc euh, ok mais grâce à ça je vais pouvoir cuisiner tranquillement sans qu'on me dise euh, qu d'arrêter, et voilà tout le monde va venir manger la petite salade que Lola a faite. Trop mignon. Pourquoi il y, a, il y a une seule blague qui chauffe là Qu'est-ce qui se passe Oula, Lola passe par une phase. Elle a tendance à être méchante et a envie d'être plus désagréable avec d'autres Sims. Oh, bah génial, super. Bon, je vois que Chuck est un petit peu fatigué. De toute façon, Lola, elle va aller au travail dans très peu de temps, je crois. Bon, bah Chuck, il va rentrer parce qu'il est trop fatigué. Et Lola, elle va rester un petit peu ici. Elle va peut-être ranger ça dans le frigo et elle va aller prendre une douche. Voilà, la belle voix de Lola qui chante. Super. Ok, bon, on va peut-être euh, rentrer chez nous. On a rendu visite à Maddy. On a rencontré sa nouvelle compagne. Tout va bien. Donc, on va rentrer. On va aller euh, se bécoter avec Chuck. Voilà. <laughs> ah, bah, dis donc, ça bouge là-dedans. Hein. Et on va aller dormir parce qu'elle doit être vraiment fatiguée. Et écoutez, c'est comme ça que se termine cet épisode. Ne partez pas parce qu'il va y avoir le machinima de fin où il va y avoir la nouvelle intrigue, etc. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.